La mort s'ennuie. Elle décroche la petite montre suspendue sur sa poitrine flasque, dont la grande aiguille est une faux. Regarde l'heure et bâille à nouveau. Tout à coup, elle aperçoit le nain du carreau à ses pieds. Il a ôté son bonnet et lui fait une révérence à la française. Oh. Madame la mort. La mort aime qu'on lui parle en français. Parce que cette mort, la mort de Daniel, n'est pas, comme on pourrait le croire, la grande mort, la mort qui domine toutes les morts, mais une des nombreuses morts, une mort de quartier, la mort du quartier San Miguel de Buenos Aires. Lorsqu'elle entend qu'on s'adresse à elle en français, elle sent grandir son importance sur l'échelle funèbre. D'être ainsi appelée Madame la Mort. Cela resserre ses liens de parenté avec d'autres morts bien plus célèbres et qu'elle ne connaît que de réputation et qui apparaissent à côté du baldaquin des rois à l'agonie, des reines à sceptre et couronne au moment des grandes successions.